Bonjour. Après des vidéos qu'on a faites sur la cigarette, pour essayer de la comprendre, sur l'alcool, je me disais que c'était intéressant de partager des connaissances sur le cannabis. Le cannabis, c'est une plante un peu bizarre. D'abord, c'est une plante aux 100 substances. C'est une plante qui a ses fervents défenseurs et ses grands ardents ennemis. C'est vrai que c'est une plante qui a beaucoup de mythologie, c'est pratiquement des guerres de clochers. Et depuis 1937, hein, quand il y a eu le Marijuana Act, Tax Act aux États-Unis, bah, c'est devenu une plante hors la loi. Et à partir de là, bah, c'est un peu parti dans tous les sens. Je pense qu'on a même un peu perdu de temps dans ces combats inutiles. Et aujourd'hui, plutôt de se battre pour savoir s'il faut libéraliser ou pas libéraliser cette plante, on va travailler sur une autre libéralisation, celle de nos connaissances. Et qui nous permettra de nous libérer de nos peurs, nos inquiétudes par rapport à ça, parce que finalement, le cannabis, bah, c'est une plante. Et dans la nature, je vois mal comment la nature pourrait créer des plantes essentiellement mauvaises. Alors le cannabis, c'est une longue histoire de l'humanité. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Hein. Il y a à peu près 2 ou 3000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait ça en Chine, en Mésopotamie et dans d'autres pays du Moyen-Orient. C'était une plante utilisée beaucoup pour le traitement des douleurs, des problèmes nerveux, des spasticités, des problèmes parfois même digestifs. Et puis c'était, les Assyriens l'appelaient le kunubu. Et kunubu, ça a donné le mot cannabis. Et c'est une plante qui a été aussi à l'époque des Romains utilisée, toujours dans les mêmes indications, problèmes musculaires, dépression. Et puis c'est, disons, on va faire un grand saut dans le temps, c'est dans les années 1840 que O'Shaughnessy, un médecin irlandais-écossais, a ramené ça d'Inde. Et c'était un médicament qui est devenu assez utilisé pour le traitement toujours des spasticités, le problème digestif, comme vermicide, et pour traiter les addictions à l'opium. D'ailleurs, on verra, c'est assez intéressant, ça. Et puis, en 1870, en 1840 à peu près, c'était envoyé aux États-Unis. Et puis, dans les années 1870, il y a des nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché. Entre autres, un médicament, c'est la morphine. Et la puissance, l'efficacité de cette molécule va éteindre le cannabis dans sa dimension médicale.